Lundi, je suis ravi de vous accueillir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, confiné à la maison toujours. Et oui, car prenez soin de vous, sortez avec vos masques, avec vos attestations et lavez-vous les mains. Évidemment, nous sommes encore une fois confinés, donc un week-end confiné, ça veut dire télévision, Netflix, YouTube, repos, faire des bons petits plats à sa famille, évidemment. Et pourquoi pas passer son week-end devant les vidéos de la taupe. Voilà, c'est à peu près ce que vous avez fait, j'espère. Et évidemment, on recommence cette semaine, en ce lundi, avec une nouvelle vidéo qu'on pioche dans Parle de quoi. C'est parti. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? On prend un papier. Hop, le papier est ici. Et aujourd'hui... Et bien aujourd'hui, c'est la suite d'autres séries que vous adorez, playlist. Nous avons fait les années 2000, les années 2001, les années 2002, les années 2003, je crois. Nous sommes... On va monter d'un échelon en plus, c'est parti pour la playlist. Les amis, je sais, les discothèques sont fermées à cause du Covid-19. Mais aujourd'hui, nous sommes tout de même en discothèque, on va pouvoir danser pour la playlist numéro 4. Et il y a un instant, je vous ai dit que c'était la playlist des années 2004. Non, c'est celle de 2003, on ne l'avait pas fait, on s'est arrêté à 2002. Et donc aujourd'hui, c'est 2003, 12 titres. Et dans les 12 titres, il y en a un qu'on écoutera à la fin de la vidéo. Et on commence tout de suite par... une musique que je vous ai mis en plus au hasard lors de la dernière vidéo samedi. C'était, on parlait des chiens, donc je vous avais mis en fin de générique, pour le générique, Chihuahua. Et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver, le thème 5, vous pouvez le retrouver dans la fiche là-haut. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et donc, Chihuahua de DJ Bobo est sorti en 2003. En mars 2003, pour être précis, DJ Bobo et Chihuahua, c'est ça. On connaît tous évidemment, c'est sorti donc en 2003, c'est chanté par DJ Bobo. Et oui, ça fait un carton en 2003 et on l'écoute toujours autant, cette musique. Oh, Chihuahua. On continue avec la deuxième. Et la deuxième, c'est une musique d'une chanteuse qui était au rap maintenant, qui n'est plus du tout dans le système. Elle a maintenant, je crois qu'elle travaille en tant que caissière dans un magasin. C'est la une des meilleures amies de Vita. Vous l'avez reconnu, c'est Diams qui a ensuite... voilà, qui avait fait polémique quand elle portait le voile et tout, elle avait fait polémique. Et Diams en 2003 nous a sent chanter DJ. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. Voilà, et Diams hein, qui a d'autres succès évidemment. Elle avait chanté, plein, Peter Pan, elle l'a fait plein, et évidemment, Confession Nocturne avec Vita, et là. Mais DJ, c'est un de ses plus gros tubes également. En 2003, c'est une star qui a été révélée par Popstar. Popstar, c'était ça. Popstar. Voilà, et donc elle voulait gagner Popstar, et en fait, quand elle est venue chanter, un des jurys qui avait dit mais non, on peut pas la mettre parce que Popstar fallait le mettre dans un groupe. Elle, on peut pas la mettre dans un groupe, elle a tellement une super belle voix, elle peut pas être dans un groupe. Et donc, il lui a proposé de faire une carrière solo, et donc elle a cartonné pendant des années. Elle sort d'ailleurs un nouvel album, c'est Shimen Badi. Et donc là, en 2003, nous a sorti son plus gros tube, Entre nous. Et clairement, Entre nous, j'adore cette femme. Elle est super, c'est une chanteuse géniale. Voici Entre nous de Shimen Badi. Entre nous,
a sorti d'ailleurs un nouvel album. Et Ichiman Daddy, on l'adore. J'adore. Tout simplement, je ne veux pas dire autre chose. Alors là, on va arriver sur quelqu'un dont on parle, on a déjà parlé en 2001, on en reparle aujourd'hui. C'est Laurie qui nous a sorti le 19 mai 2003 une chanson qui s'appelle Sur un air latino. Sur un air latino, sorti donc le 19 mai 2003. Et donc on écoute tout de suite aussi Sur un air latino. Sur un air latino. Et ça fait du bien dans ces moments compliqués de chanter. Et Laurie, évidemment, qui a eu plein d'histoires. Hein. Elle a une histoire, Laurie, avec Garou, que tout le monde connaît. Garou qui chantait seul. Elle a eu également une histoire d'amour, Laurie, avec Florent Pagny. Et oui, c'était avec Florent Pagny qui chantait une chanson qu'on écoutera tout à l'heure. Voilà, et donc Laurie, évidemment, elle fait partie de Demain nous appartient, la série de TF1 évidemment, qui elle va revenir d'ailleurs dedans très vite, elle l'a dit. Et évidemment, elle fait également partie des Enfoirés, et c'est une superbe Enfoirée évidemment pour les Restos du Cœur. En septembre heureux 2003 est sorti sur les ondes EO de Tragédie. Et oui, donc on écoute tout de suite, voici EO. Hey ho, non c'est pas ça, c'est pas hey ho, hey ho, ronde de boulot, c'est hey ho de Strachedi, c'est parti. Hey ho, oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends, hey ho, est-ce que tu me sens, hey ho, touche-moi, je suis là, hey ho, oh, 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi, hey ho, là je suffira, hey ho, est-ce que tu m'aperçois, hey ho, oh. On les connaît tous, encore une fois. Et oh. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé que Laurie avait eu une histoire d'amour avec Florent Pagny. Florent Pagny, qu'on va écouter tout de suite. Et Florent Pagny nous a sorti en mars 2003 une chanson. Il a tout simplement envie d'avoir la liberté de quelque chose. C'est la liberté de penser. Voici donc Florent Pagny, ma liberté de penser. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Voilà, et donc l'histoire de Florent Pagny, ma liberté de penser, c'était en fait quand Florent Pagny a eu quelques soucis avec le fisc, avec les impôts, et ben en gros, voilà, c'était pour dire en gros, on prenait tout, mais la seule chose qu'on ne prendrait pas, c'était ma liberté de penser. D'ailleurs, vous ne me prendrez pas la mienne non plus, ma liberté de penser et ma liberté d'expression. Voilà. Donc Florent Pagny est également sorti avec un nouvel album qui est dans les bacs. Au-dessus, il y a plein de duos, un avec Patrick Fiori, un autre avec Calangero. Allez, et n'hésitez pas évidemment à aller l'écouter. Voilà. On continue avec une musique d'un des meilleurs amis de Florent Pagny d'ailleurs, c'est Pascal Obispo qui nous a chanté en juin 2003 une chanson que moi j'adore clairement. Elle s'appelle et tout le monde l'est un peu, on est tous un peu fans de Pascal Obispo, voici fan de Pascal Obispo. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Un peu de Pascal Obispo, j'adore sa voix, il a une voix vraiment qui détend et des chansons qui détendent. Et oui, alors en 2002, elle est sortie d'une émission culte qui s'appelle la Star Academy. La musique de la Star Academy, c'est ça. Gagnante de la deuxième saison de la Starac, c'est
Noël Leroy, et elle nous offre le 23 mars 2003 son grand tube cassé. Cassé de Noël Leroy. Cassé. Popstar, Star Academy, Nouvelle Star, X Factor France. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu, voilà, on a beaucoup de personnes, on a de télécrochets aujourd'hui. À la 9ème place, on n'est pas un groupe de télécrochets, et non, c'est Kyo. Kyo qui nous ont chanté le 18 avril 2003, Dernière Danse, on écoute. Je veux juste une dernière. Pour Kyo, Dernière Danse, c'était le 18 avril 2003. On revient sur une émission culte, Popstar, qui a vu, je crois que c'était la deuxième saison, éclore, non, c'est la deuxième ou troisième saison, qui avait éclore un groupe qui s'appelait les Link Up. Les Link Up avec le grand Mathieu. Mathieu que vous connaissez tous sous le nom de M. Pokora ou de Matt Pokora. Ainsi que Lionel. Lionel qui est maintenant chauffeur de salle sur C8. Voilà, dans l'émission Touche pas à mon poste. Et un troisième que je ne sais pas son nom. Voilà. Et ensemble, ils ont chanté Mon étoile. Et ensemble, on va chanter Notre étoile. C'est parti. Je crois à mon étoile. Les rêves ont ce grand pouvoir de changer les couleurs du noir. Je crois à mon étoile. Elle est... Voilà pour mon étoile des Link Up. Allez, c'est bientôt la fin, c'est la dernière musique officielle qu'on va écouter. Tout à l'heure, il y aura le clip d'une autre. Et là, on va retourner sur Star Academy avec la toute première gagnante, c'est Jennifer, qui le 15 avril 2003 nous a chanté « Donne-moi le temps ». J'espère qu'elle vous aura plu de cette playlist 4. Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime à cette vidéo. Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire quelle musique vous aurez aimé voir dans ce classement. C'est pas un classement, on va voir dans cette playlist. Me dire quelle musique vous voulez voir pour l'année 2004. Vous abonner à la chaîne. Vous activer la cloche, c'est important. Et de nouvelles vidéos arrivent très vite. Je vous retrouve, moi, en ce qui vous concerne, évidemment, jeudi. Et on va se quitter avec une musique de Laurie à 20 ans, qui est sortie le 19 janvier 2003. Voici Laurie à 20 ans. Et je vous dis à jeudi, soyez de gâteaux. Bye bye.